Ouais, c'est ce que j'ai aimé aujourd'hui. L'idée, c'était donc de respecter l'adversaire, faire preuve de beaucoup d'humilité. Et dans ces cas-là, on met les actes en place. Et là, il y avait les intentions donc étaient là avec un gros pressing, empêcher l'adversaire donc de jouer, voilà. Montrer qu'il y a 3 divisions d'écart. Donc simplement donc voilà, à jouer chez eux et puis se procurer des situations, les mettre en difficulté. L'expression chez nous. On dira ouais, prendre l'adversaire à la gorge et puis ne pas la lâcher. C'est ce qu'on a réussi à faire. Première mi-temps intéressante, on n'a marqué qu'un but. On a été un peu plus, beaucoup plus de déchets dans la finition, mais j'ai aimé les intentions en tout cas. C'était dans cet esprit qu'il fallait aborder ce match. Ben, de toute façon, je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, on était 15 joueurs de champ et deux gardiens, donc voilà, 17. Oui, puis il y avait l'envie chez moi donc de faire rentrer quand même les 5 remplaçants. Mais avec la blessure de Nico, forcément que pour André, il fallait le laisser au chaud parce qu'il y a un match mercredi qui nous attend. Mais voilà, donc tout le monde a pu jouer ce match, puis surtout retenir la qualification parce que c'était l'objectif premier. On est le tenant de ce trophée, donc il faut passer pour justement pouvoir défendre notre bien le plus longtemps possible. Non, mais moi je fais pas attention à ça, j'ai pas trop vu de différence, mais en tout cas, nous, en tout cas, il fallait qu'on se prépare de la meilleure des façons. Parler donc de respecter l'adversaire, d'être discipliné, d'être sérieux. Voilà. Et il fallait surtout donc montrer à l'adversaire qu'aujourd'hui, ça allait être compliqué pour lui, quoi. Si vous le laissez donc prendre confiance, laisser espérer, donc vous pouvez vous mettre en grande difficulté, quoi. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Là. Oui. C'est vrai que. Tout à l'heure, il y a une image qui m'est apparue comme ça et puis qui m'a donné des flashs. C'est voir Ludo sortir avec le brassard de capitaine. Voilà, ça m'a fait revivre donc là, surtout donc l'épopée et puis surtout là quand il soulève la coupe. Là, c'est vraiment cette image-là, quoi. Ludo, c'est le capitaine de la Coupe de France. Oui, mais pas par rapport à l'événement extérieur, quoi. Moi, simplement, quand j'ai vu Ludo sortir du vestiaire avec le brassard de capitaine, hop, ça m'a rappelé ces moments au Stade de France. Voilà. Et puis surtout, il y a des similitudes parce que, à part l'adversaire, mais on a démarré notre tour de Coupe de France avec un match à l'extérieur. Voilà. Vous avez parlé de la blessure de Nicolas Palois. Est-ce que vous l'avez sorti par pure précaution? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa Ah blessure? non, non, il sort parce qu'il est blessé. Et puis, c'est une indisponibilité qui va être certainement voilà, longue. Donc, c'est le gros coup dur de ce soir. Le gros point noir, c'est voilà, donc la perte de Ludo pardon, de Nico pour quelques semaines, même plus. Quelle impression vous a laissé dire ce soir? Ah oui, il fallait. Ben ils ont été consistants, ils sont restés donc bien organisés, très solides. Voilà. Le gardien a retardé l'échéance. Mais ouais, je trouve que c'est une belle équipe. C'est une équipe qui aujourd'hui donc n'est pas en tête de son championnat national 3 par hasard. Et j'ai souhaité donc justement au président justement une montée en fin de saison. Ce serait un beau cadeau pour cette année 2023. Non, 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 alors c'est une grosse entorse. Maintenant, on va faire donc des examens demain, mais c'est une grosse entorse. Il était en torsion, et puis tout le poids, donc. C'est le genou, mais voilà. Genou. Une entorse, une grosse entorse du genou. Juste au niveau du mercato, il y a déjà eu plusieurs départs avec Denis Sapia notamment, avec le transfert définitif de Fabio. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mouvements dans le mercato nantais ou cet hiver? Ben, au niveau des mouvements, c'est surtout des arrivées. C'est ce que j'attends moi aujourd'hui. Donc,
de la part de la direction, voilà. À quel poste ? Ça, des renforts, d'accord. Voilà. Après, vous saurez. Qu'est-ce que vous avez pensé des jeunes qui ont joué aujourd'hui, qui se produisaient ou des équipes ? Ben, c'est bien, c'est des jeunes qui ont de la qualité, ils ont du potentiel maintenant. Voilà, ça leur donne du temps de jeu, ça leur donne de l'expérience. Et puis après, ça demande confirmation, voilà. Mais moi, je juge pas donc sur un match, hein, donc c'est bien ce qu'ils font. Le petit Loan Doucet donc a fait une bonne rentrée. Nathan Zézé a fait une bonne rentrée, Junior aussi, donc c'est bien. Ça va, j'espère donc. J'espère surtout donc inciter nos jeunes du centre de formation à faire aussi bien et puis surtout de travailler fort pour venir intégrer l'équipe première.